Alors, Bedrat Hashem, Ashiur, le Elohim Nishmat, Yehuda, Cohen, Ben Menachem, Stein. Et Michael Ben Eliaou. Et Eliaou Ben Marie, Bedrat Hashem, il vient en Eretz. C'est celui qu'on avait fait là, qu'on a fait pendant un an, le Elohim Nishmat. Non, c'est pas vrai. Non, non, il vient se faire enterrer, Bedrat Hashem, en Eretz. Ce matin, il vient se faire enterrer. C'est bon. Là, il faut que j'achète le truc pour payer. Il vient seul ou accompagné, tu vois. J'ai pas le 3. Ah, t'as pas le 2. Il a fait tous ses biens. En fait, ce que je sais, que quand je rate, tu récupères rien. Vas-y. Non, c'est vrai qu'il vient. J'écoute seulement sur ce que je veux. Super. On y va. On est à la Mishnah. Un mec de Boudinit. Non, c'est le père à mon pote. Alors on y va, on en est à Daf Ayin Tet à la Mishnah. On voit le lien, chat, non, je vois. Mais attends, d'abord on voit si ça marche. Nafloula, donc Mishnah. Attends, mais j'ai un problème déjà. On est en train de parler, donc c'est le Pérec là qui nous parle des fameux Nirsémiloques de la femme. Ah, ça y est, faut reprendre les bonnes habitudes. Non, mais tu sais qu'en ce moment, on juge les 15 routes. On juge les 15 routes. Il est à un stade d'accouchement. Quand t'avais ton gadis, on a compris que tu dormais pas trop, donc on a dit la chose. Ah, je suis la même orthophoniste qu'à Miel. Je bénisse quand il fait le caddie, je l'avais dit. La tête qui n'est suggérée tout, je l'avais. Quand il lit, quand il lit. Il a fait ta famille, je dis. Je sais pas, j'étais encore au début, il était fini. Ah, oui, je sais pas. Smallah. Oh. Ah ouais, ça y est, je l'ai. Laisse-le, là, on s'est préparé à. Tu vois, c'est lui qui fait Khazan. Ouais, on y va. Je vais prendre la responsabilité sur moi, ta petite là. Veille de Rochina, tu veux que ce soit lui? Alors, Nafloula, donc on était en train de parler dans le Pérec, donc depuis le début du Pérec, des fameux Nirsémilogues, les biens que la femme fait rentrer dans le mariage, on avait dit que le mari il avait les droits dessus, les droits d'utilisation, l'usufruit. Maintenant, on va voir que là, dans certains cas où la femme, ce qu'elle touche comme bien, ce sont des biens qui ne produisent pas de fruits, dans ce cas-là, hein, on va acheter avec l'argent de ces biens-là, on va les vendre donc, et on va acheter avec l'argent de ces biens-là des terrains pour que le mari ait un usufruit. D'accord ? Donc c'est ce que nous dit ici la Mishnah. Nafloula ksafim, si jamais elle a eu de l'argent ou de l'espèce, donc des choses qui ne produisent pas de fruits. Alors, yilakar ba'en karka, on achètera avec cet argent-là des terrains. Ve'uochel perot, et lui mangera les fruits, l'usufruit donc de ces terrains. Maintenant, Perot Atlushin Minakarka, si jamais. On l'oblige à acheter un terrain. Elle ne peut pas dire non, moi je veux garder un truc qui va donner aucun produit pour le mari. Non, normalement, tout l'argent qu'elle rentre, le mari doit avoir un produit. Si c'est quelque chose qui ne donne pas de produit, eh ben, on devra. Comme on avait dit les exceptions, sûrement, c'est les Rembrandt et les. Voilà. Comme ça. Et ça, on ne va pas les vendre ça, pour. C'est les exceptions. Je pense, ouais, c'est logique, quoi. Logique. C'est Carta? Mais ça rapporte pas de fruits, c'est comme un carca. Il n'y a pas de fruits. Et attendez, si l'argent, le plasier qui rapporte. Ah, ça oui, ça oui. Pourquoi pas, oui. Tu viens de dire qu'il est pourri. Alors, regardez, on va parler un petit peu de différents investissements qui ne sont pas rentables. Alors, on va parler de l'Agmara. Elle a reçu un terrain qui n'est pas bon. Regardez ce que dit l'Agmara, la Mishnah. La Mishnah nous dit que si jamais elle a reçu Perot Atlushim, elle a reçu des fruits qui étaient détachés. Donc, elle a dit c'est des fruits directs. Est-ce que ça revient au mari ou pas? Perot Atlushim, Minakarka, non, ça revient pas au mari, c'est le Keren. Faudra bien faire dans toute la soukha qu'on va avoir aujourd'hui, bien comprendre qu'est-ce qui est le Keren, qu'est-ce qui est le capital, et qu'est-ce qui va être les Perot. Des fois, il y a des Perot qui sont considérés comme du capital. Parce que là, en l'occurrence, cette femme-là, elle a reçu comme héritage des Perot. Donc, pour est-ce qu'elle fait rentrer, c'est ça son capital. Son capital, c'est les Perot. Donc, ces Perot-là, on va les vendre. C'est le produit du Keren, c'est tout. Attends, j'ai pas compris. Ces Perot-là, on va les vendre, et on va acheter avec ça un terrain. Oui, mais ça veut dire que même si c'est des perrottes. Mais ce qu'on appelle. Elle a reçu un héritage. Elle a reçu un dividende. Un entrepôt. Elle a reçu des perrottes. Un entrepôt de perrottes. D'accord. Ou alors elle a reçu un terrain. Et dans le terrain, il y avait déjà des perrottes qui étaient déjà. Les caisses, elles étaient déjà prédisposées, déjà coupées. Donc là, on te dit que les perrottes, même si en réalité, c'est les perrottes de ce terrain-là. Mais c'est pas elle le terrain. Mais c'est pas les.
Même si c'est elle, le terrain il est à elle et elle a reçu aussi des pérotes qui sont clouchées. Ça s'appelle du capital le tribunal. Alors, même les pérotes, même les pérotes ça s'appelle du capital et on doit les placer. Et après, à partir de là, on achètera et à partir de là, on mangera les fruits. Parce qu'elle elle reçoit les pérotes. Donc les pérotes c'est le capital. Et ce que produit les pérotes, ben, ça va être le. Bon, en l'occurrence, ça ne produit pas les pérotes. Oui, mais donc là, on va être dans les investissements. On va garder et après, c'est les prochaines pérotes. C'est normal. Non, a priori, non. C'est la concentration. Quels sont les investissements qui sont rentables ou pas? On va parler de ça. Maintenant, il faut. Avec ça, on va faire attention qu'on va marcher. Pérotes, Tatlouchi, Minakarga. Il a carbaen karka veuchel perot. Donc si c'est des fruits qui sont détachés de la terre, on considérera que c'est comme du keren que la femme a fait rentrer. Et en fait avec ça, on achètera un terrain et puis on mangera. Le mari mangera les perot de ce terrain-là. Maintenant, perot amechubarim bakarka. Si jamais ce sont des fruits qui sont rattachés au sol, est-ce qu'on va dire que ces fruits qui sont rattachés au sol, ça fait partie du keren ou non? Finalement, le mari, il est quand on, le mari c'est lui qui va les couper. Donc ça va être des perot. Alors là, c'est une question qui est plus ambiguë. Là, c'est une marque-roquette. Plus compliqué. Parce que là, au moment. T'aurais dit quoi, que c'est plus des pérotes ou que c'est plus des. Bah, moi, j'aurais dit des pérotes, moi. Mais. Oui. C'est des pérotes. Et que le mari va les toucher. Les fruits, ils ont entièrement poussé quand t'étais pas marié. Ou avant que ça arrive entre ses mains. Ils sont encore dans le. Donc, hey, quand elle est rentrée avec le mariage, tu regardes. Ils sont dans le terrain. Mais il y a, parce qu'il y a une différence entre le crevard à caca ou le crevard à caca, même pas pour les masserottes et tout. Oui, je suis d'accord. Donc là, je vois pas pourquoi il n'y aura pas la différence. Au contraire, si le terrain il était à elle, avec des fruits, avant qu'elle se marie, c'est à elle. C'est... Oui, mais lui, là, elle arrive avec le terrain. Le fruit. C'est-à-dire que quand les fruits, on va les couper dans deux mois. Est-ce que ces fruits-là s'appellent les fruits du produit du terrain du terrain de la femme et donc ça revient au mari? Ou alors, non, c'est le capital c'est... et ça. Donc c'est Marloquet Tanaïm. Mais les deux, c'est Marloquet Tanaïm. D'après Rabbi Meir, nous dit Rabbi Meir, regarde ce que dit Agmara. Rabbi Meir nous dit, Amar Rabbi Meir, Shamin ota kama yafab perot, ve kama yafab bello perot, ou mota ila karben karka ve uchel perot. Rabbi Meir lui te dit qu'on va considérer ces fruits-là comme du quoi? Comme du karka. Comment on va estimer ce, comment on va calculer cette histoire? On va voir ce terrain-là, il vaut combien avec les fruits? Et sans les fruits. Il vaut 100 000. Sans les fruits, il vaut 80 000. Donc il y a 20 000 de fruits, tu prends 20 000 et t'achètes un terrain. Tu prends 1000 doutes, tu vas les prendre. Tu peux vendre les pérodes ou tu peux vendre. Faut prendre 20 000 acheter un terrain. Faut dire que elle, dans son capital, il y a aussi 20 000 sur lesquels le mari peut avoir un capital qui va donner du bruit. Le mari fait. Le terrain, il fait 100 000. Au moment où elle hérite, avec des fruits. Ouais. 100 000. Non. 100 000. Le total, ça s'appelle 100 000. Donc, maintenant, elle vend les fruits. Est-ce que, en fait, elle, c'est la rentrée, c'est 80 000 et les 20 000, elle garde pour elle. Hein non, il n'y a rien pour elle. Pourquoi non? Parce que tout ce que. Non, mais tout ce qu'elle rentre. Tout est capital. Oui, ça s'appelle qu'elle garde pour elle, en d'autres termes. Ça t'appelle qu'elle garde pour elle. Et la saison suivante. Et donc. La seule ambiguïté, c'est que ça reste du capital. Non, mais c'est la raison. Tout le monde a raison. Non, mais ça reste du capital. Sauf que c'est pas le fruit, la vente donc du fruit. C'est pas que c'est à elle, il a raison, c'est pas que c'est à elle, oui, c'est le terrain à elle. C'est pas au mari. Mais avec ça, elle devrait acheter un terrain. Elle peut être perdante. C'est à elle, mais ça devrait acheter un terrain. Elle peut être perdante dans l'histoire. Dans l'histoire, elle peut être perdante parce que si les frais, elle va les vendre mal et qu'elle va les vendre pour 10 000 balles, et ben elle va devoir quand même. On va peut-être dans d'autres obligations, mais on parle pas dans le cas où tout se passe. Non, là, dans l'obligation, on doit investir au moins. Pour le mari, pour que le mari il ait les fruits, même de ça, elle va le vendre. Ça le garde, c'est pour la femme. D'accord. Donc quelque part, comme il a dit, il y a un avantage pour la femme, c'est-à-dire que ces pérotes-là reviennent à la femme. Mais quelque part, c'est aussi quelque chose qui va revenir au mari, c'est un terrain sur lequel le mari va avoir après des. Elle a un lac dedans ou quoi? Ce qu'on veut dire, c'est qu'elle ne peut pas dire ah le terrain vaut 80 000, les 20 000 je les mets dans ma poche et voilà les prochains. Quand il arrive, elle a rien dans sa poche. Elle met jamais rien dans sa poche. La femme, tout ce qu'elle a dans sa poche, elle le réinvestit, le mari mange. Elle a aucun mal pour le faire. Il y a pas de sa poche dans la femme. Mais si. Pas de poche. Mais là. Voilà, bon beau père. Il faut tout dire un mot. Un mot. Automatiquement, si elle réinjecte l'argent des fruits dans un terrain, automatiquement, le keren, il est à elle. Bien sûr, c'est ça. Donc c'est à elle. C'est ce qu'il a dit. Et les fruits sont. Exactement, c'est exactement ça. Donc c'est le rubis et le gageant. Elle gagne et lui gagne. C'est du gagnant-gagnant, mais dans. Ouais, exactement. Elle gagne et lui gagne. Voilà. Non, mais ce qu'on est en train de dire, c'est que le mari va pas dire moi tout seul je gagne, c'est mes pérotes, donnez-les-moi, ils sont à moi, et moi je vais m'acheter un terrain pour moi, c'est à moi. C'est illogique pour moi. Voilà, c'est pour ça qu'on te dit que c'est lui qui te dit Rahamim. Rahamim te dit non, Amechoubarim la karka, Shelo. Et c'est pas que Rahamim qui pense comme ça, on va voir que même Rabbi Shimon il pense comme ça. Rahamim il te dit que Amechoubarim la karka, Shelo.
Ce qui met Khouba à Karka, c'est au mari. Parce que la règle, elle est que les fruits du terrain de la femme reviennent au mari. Et ça, vu que pour l'instant, au moment où ils sont mariés, c'était pas encore détaché. Donc là, c'est les fruits du terrain. À lui. Et les fruits du terrain, ça revient au mari. C'est plus simple. Même s'ils ont grandi 95% chez le avant le mariage. D'accord. Et là, on réinvestit pas. Et donc, dans ce cas-là, on les réinvestit pas. C'est l'argent qui récupère direct. Il récupère l'argent, après, il fait ce qu'il veut. Si vous voulez faire des investissements, il fait ce qu'il veut avec. C'est entièrement à 100% du mari. Les rachamim ont même coupé la carca chez l'eau. Mais atlouchim mina carca chez là. Atlouchim mina carca chez là. Par contre, il reste, il remet pas en question que ce qui est détaché du sol. Et au moment où elle s'est mariée, donc elle a rentré, elle, ses caisses de fruits. C'est pas les deux fruits, c'est sûr qu'on les réinvestit dans des carcaotes et la carbone carca. C'est à elle, mais sous condition, c'est bloqué. Quoi. C'est comme le compte bloqué à la banque. Tout comme tout l'argent. Elle non, peut non, pas les acheter une robe avec. C'est-à-dire que les touchim, avant le mariage, elle devrait les revendre et réinvestir. C'est pas elle à ça. Tout le monde dit ça. Tout le monde dit ça, même maintenant quand même, elle dit ça. Quoi qu'il arrive, la femme, elle n'a pas de. Il n'y a pas de. Enfin, elle rentre. C'est, il n'y a pas de AL à 100% la femme. Tout ce qu'elle ramène, c'est les perrottes qui vont marier. S'il n'y a pas de perrottes, on réinvestit. Avant qu'elle se marie, elle a son terrain, elle a des fruits. Ouais. Ils sont maintenant clouchis, mais c'est marié le lendemain. Un jour avant, elle a pris les fruits, elle les a vendus. Le mari, il dit, tu peux pas regarder l'argent dans ta poche et dans ton argent de poche. Tu es obligé de prendre cet argent-là et le réinvestir pour que moi j'ai des fruits, tiens. Faut qu'elle le crame. C'est la règle. Faut qu'elle le crame le jour même. Tout l'argent de la femme doit être, il doit y avoir des périodes pour le mari et le mari peut mettre son veto. Maintenant après, si lui il tolère. T'es pas mal, toi. Si le mari tolère, il peut lui laisser, hein, c'est pas un problème. Jackpot pour un Michel. Commence pas. Alors. Vous avez eu. Rami Omri, Mamé Koubari Makarka chez l'eau, Batoshi Minakarka chez la. Vila Karbaen Karka, et donc après, donc, il achètera un terrain, ou Rel Pirot, il mangera les Pirot. Rabbi Shimon, il va dire pratiquement la même chose que Rachamim, et la Gmadra va s'étonner, apparemment, je vais dire la même chose. Lui donne une règle générale, il te dit, Makom, j'y a fait Koho Beknisata, Oura Koho Beyetziata. Lui, il va te dire, ce qui est en sa défaveur à elle, à l'entrée au mariage, ça sera en sa faveur à elle, le même situation sera en sa faveur au moment du divorce. C'est-à-dire que si, par exemple, on avait dit, alors je vais tout de suite expliquer, et je finis la phrase, et ce qui est en sa faveur à elle au moment du mariage, sera en sa défaveur au moment du divorce. Exemple, Ketsad, il t'explique Rabbi Shimon, Ketsad, Perrot, je ne me trompe pas, il y a un Ketsad, si je me trompe pas. Oui, Ketsad, Perrot, t'as Ketsad. Perot amechoubari de makarka, des fruits qui sont mechoubari makarka, donc on avait dit que c'était quoi la règle? C'était biknisata shelo, c'est en faveur du mari, c'est en faveur de la femme. Mais par contre, une chose pareille, si tu me dis que c'est considéré comme des perotes, eh ben, biyetiata shela. Ça sera elle. C'est-à-dire que tu considères que pour l'instant les fruits n'ont pas été découpés, que ça va être les fruits du terrain. Alors là, au moment où il y a, au moment du divorce, vu qu'elle récupère son terrain, elle récupère le terrain avec les fruits qui n'ont pas été découpés. Tandis que ce qui est après, ce qui était déjà découpé, ce qui est louchine, minakarka, biknisa t'a fait chez là, tu me dis que ça va faire partie de son capital terrain, on va acheter avec ça du terrain, et ben, mais ici, à ta, ce sera chez l'eau, lui, les gavras, il dira non, moi, je te rends ton terrain, mais je ne te rends pas ces pirates là, c'est bon, là, ils sont déjà découpés. Il y a un point qu'on a oublié de présider, c'est que bon, dans ce cas de figure, le mari, c'est toujours, cadeau à la lune, hein. C'est-à-dire que si c'est que les fruits, la récolte c'est dans un mois, bah, le guet un mois après, il m'a gagné. Après, il veut faire des calculs comme ça, ouais. La meuf, elle a 1000 hectares de pommes. Après, ça dépend. Il y a des cas où on le divorcerait direct. Il y a des cas où c'est les badines qui l'ont obligé de divorcer. Ça, c'est par rapport au rachat de Mouskouna. C'est pas par rapport aux Médinoques. Mais il y a des cas, quoi. Les Médinoques, c'est par rapport. Il fait un éder qui va plus avec Elsa. Le badine, il est du Mouskouna. Pirkouna, c'est contre Pirkouna. Pour ça, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'esquive. Ouais. On n'a pas vu en tout cas. Peut-être que c'est une question pour réfléchir. Là. C'est une question, là. Mais a priori, non. C'est obligatoire. Le carré, c'est où il est en face. Alors maintenant, on va voir les investissements qui sont rentables. Est-ce que quelqu'un peut mettre son veto? Imagine. Pshita, nous dit Agma, Pshita. Donne-nous des conseils. Ara ou Baté? Alors vous allez voir que les temps changent. Les temps changent. Parce qu'à l'époque de l'Agma, il y en a un qui dit. Le mari et la femme disent voilà, maintenant on a un petit billet. On va investir.
La femme, elle dit, moi, enfin, il y en a un qui dit, je veux qu'on investisse dans de l'agriculture, dans des terrains agricoles, dans des terrains. Ara. Et l'autre, il dit, non, battez. Je vais dans l'immobilier, des maisons. Amiel et Ariel. D'accord. Donc ça, nous dit Agmara, qui on écoute? Ara, c'est Pshita que c'est Ara. Ah bon? Les Pshita que c'est l'agriculture. À l'époque, ils se nourrissaient grâce. C'est ça. Parce qu'à l'époque, déjà, à l'époque, c'était pas que t'avais un terrain de 50 carrés jusqu'à une tour de. Aujourd'hui, t'as mieux acheter un terrain qu'acheter un appart. Aujourd'hui, t'as quoi? Il vaut mieux acheter un terrain qu'acheter un appart, t'as raison. Mais bien sûr, le mec, tu chasses un animal dessus. Non, mais un terrain. C'est pas la terre pour les perros. C'est pas yom yom. Non, pas la terre pour les perros. Si on l'adapte aujourd'hui, c'est pas yom yom. Ça vaut 100 fois mieux le coup d'acheter un terrain. Non, mais on parle pas d'investissement, on parle de yom yom, de sourire yom yom. C'est un terrain. Un terrain pour construire, un terrain pour les perroques. Mais tu. Un champ de pommes. Un champ de pommes. Un champ de pommes ou alors. Une chèvre. Alors, en tout cas, non, mais on parle des carcasses. Non, moi, il pense de se battre. Alors, le carcasse, il a pour 70 ans, tu vas l'avoir 10 ans. Ara ou batté, Ara. Maintenant. Batté Véticlé. Donc maison ou... C'est quoi ça? C'est quoi les... Tu veux savoir? Alors, c'est quoi? C'est que la discussion entre... Non, on n'a pas dit qui dit quoi. La discussion, en fait, il y a deux paramètres dans l'Enir Sémilog. Et dans l'investissement dans l'Enir Sémilog, il y a deux paramètres. Il y a premièrement le bénéfice produit. Écoutez les amis, il y a deux choses. Il y a premièrement le bénéfice produit. Et en général, le mari, lui, il a un intérêt à ce qu'il y ait le plus de bénéfices possible. Et il y a deuxièmement, combien le Keren, il va se détériorer. Il y a des choses où le Keren il est stable, il est immuable, il reste stable. Ou même il prend de la valeur, même des fois. Donc des fois, la femme elle a intérêt à ce que le Keren il reste le plus stable possible. Tandis que le mari il a un intérêt à ce que, même si le Keren il va un petit peu se détériorer, mais au moins qu'il y a du bon bénéfice. C'est l'histoire parce que lui mange de l'appart à Sarcelles ou à Paris. Voilà. C'est exactement ça. À Sarcelles t'as le bénéfice de ouf. Et à Paris, t'as le Keren qui augmente. La rentabilité est à plus de 10%. Hein, ah ouais, par contre, quand tu vends, frère, tu pleures. Hein. Ouais, quand tu vends, t'as perdu. Ils étaient erreurs. C'est exactement ça. Les loyers sont plafonnés quand t'arrives à 10%. Ouais, mais là-bas, c'était des terrains agricoles avant. Mais t'achètes un appart à 100 000 balles. Allons-y, la Gmara. 300 balles de loyer. Batté Védiclé, entre des maisons et des palmiers, c'est quoi ce qui rapporte le plus? Batté. C'est les maisons. Dick, pourquoi? Parce que les décalibres, eux, avec le temps, ils peuvent un petit peu être mis de tiabèche. Ils peuvent un petit peu. Parce que les décalibres, il y a zéro investissement. Les appartements, c'est sa femme qui l'a fait. Parce qu'il faut que le bénéfice, ça pousse tout seul. Tout ça, tout ce problème-là, du décal, pourquoi le décal, c'est moins bien que la Gmara dit que les terrains, c'est mieux. Enfin, les maisons, c'est mieux. Pourquoi les maisons, c'est mieux? Parce que les décalibres, ça dure moins de temps. Les choses, même si les arbres. Les affaires détériorent un petit peu avec le temps, c'est pas quelque chose qui est. À mon nom de Diagmara, Diclé Veilané, donc palmier ou arbre pommier par exemple. Diclé, c'est mieux les décalibres. Attends, mais quand tu dis Diclé, ça veut dire que c'est l'arbre même, hein, c'est pas un l'arbre chandard. Même, l'arbre c'est même. C'est pas un chandard. Ouais. C'est pas la même chose. Non, Ilané, c'est les autres Ilané à parler de marine. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'apparemment, ça dure plus de temps, le décal est plus solide que les antaropes. Non, surtout qu'il a beaucoup plus de fruits. Comme ça, il est. Je sais plus, j'ai eu dans les journées. De... Il a plus de fruits. Il a plus de fruits le décal qu'en pommier. Donc, c'est une histoire encore de bénéfices. Au bénéfice du mari. Encore de bénéfices. Juste que ça puisse cracher, en fait. Alors, on dit la Gmara. C'est pas que pommier. À bazar d'État ou pirate des cavrés. Ils ont le choix d'un investissement. Alors, là, on va parler un petit peu. À. Amiel, c'est des investissements là. Réveille-le. Un petit peu sur le. Il est là, Amiel, il est là, man. Tu crois tout là. Nous dit la Gmara, c'est quoi là, on va voir un petit peu ce que j'ai dit, comme je vous avais dit tout à l'heure, c'est qu'il y a toujours cette histoire de Keren qui revient à la femme et les Perot qui reviennent au mari. Des fois, il y a des choses qui sont considérées comme du Keren. Alors là, on nous dit par exemple, imagine-toi, tu as un abazar d'État. Abazar d'État, c'est-à-dire que tu as une forêt d'arbres qui sont. Des arbres qui n'ont pas donné des fruits mais qui vont être utilisés à faire du bois. À faire du bois. Donc à bazar d'État. Et pareil aussi, tu as des viviers. Rachid dit en français vivière. Des viviers, c'est quoi des viviers? C'est-à-dire c'est des endroits où des petits bassins à poissons. Piscine de poissons. Donc là, dans ce cas-là, nous dit la Gmara, que Amrela Piré ve Amrela Karna. Certains considèrent que ça, c'est du pérote. Et donc, on va le vendre pour acheter des terrains. De quoi, les viviers? Ouais. Donc, le poisson. Donc, exactement. Pira. Il y en a qui disent que si jamais elle a eu en Yerusha
cette forêt là avec des arbres qui vont être utiles à couper. Attends, donc le fait de couper les arbres ou de pêcher les poissons, c'est considéré que l'homme du péri et le carcasse salkeren. Donc c'est quoi, c'est le même problème que dans la Mishnah. Donc c'est-à-dire qu'il y a le terrain qui est le keren et il y a les arbres qui vont être le péri. Tandis qu'il y en a un qui dit que non, c'est le keren. Donc si tout est du keren, donc avec l'argent, c'est-à-dire que Didier et forêt, c'est le même statut. Ils vont faire dans la même règle. Et regardez, là c'est la logique. C'est là qu'il faut comprendre, c'est que d'après la vie qui dit que c'est du keren, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'à partir du moment où les poissons, et c'est parce que finalement c'est quoi qu'elle a reçu comme héritage, elle a reçu un vivier. Donc ce truc là, il y a des poissons, ces poissons là, tu vas les manger. Donc c'est quelque chose qui est calé. Qui est calé, c'est-à-dire quoi, qui meurt. Mais d'accord, mais ils font deux poissons. C'est pas comme un terrain, quelque chose qui reste. Ils font deux poissons. Pas forcément. Donc là dans un cas pareil, on nous dit que c'est comme les fruits de la Mishnah. Amrela qui dit c'est du keren. Et donc c'est du keren à kon imacher, on vendra tout et on achètera avec donc, ça. Comme les fruits de la Mishnah. Du carca. Comme les fruits comme qui sont pas exactement, comme les fruits qui sont arrivés quand ils sont clouchés. Non, c'est la vérité quand tu dis donc l'idée elle est quoi? L'idée elle est très importante ici. Soit c'est des perroquets, soit c'est pas. Hein? Soit c'est des perroquets, soit c'est comme des perroquets. Soit les perrottes, c'est vraiment que des perrottes. Soit tu considères que le carca, c'est la même histoire. Maintenant, c'est quoi l'idée qu'on est en train de dire ici? C'est que, à partir maintenant, même si c'est des poissons où le jour où elle a retrouvé vivier, il n'y avait aucun poisson et les poissons ils ont poussé après, hein, je sais pas par quel miracle, mais disons. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est pas le fait qu'elle a reçu les poissons directs et que ça s'appelle du keren. L'idée, c'est que toute chose qui va en se détériorant à 100% ou en se rapprochant des 100%, d'accord, et ben ça, on appelle ça du keren. Tu peux pas dire que c'est un truc qui donne du produit, puisque c'est pas qu'il donne du produit, c'est que lui-même il se. C'est comme un péri. Un péri, c'est pas. Tu peux pas me dire que voilà, le fruit du fruit, c'est que je vais te couper des petites rondelles de la pomme et tu vas les manger. Ça, c'est le kéren que tu es en train de détériorer. Donc, c'est du kéren, ça, tu vas le manger. Un vivier dans lequel il y a des poissons. Ça se reproduit pas beaucoup. Ça se reproduit. C'est calé. C'est calé. La forêt, il y en a plus beaucoup. C'est-à-dire que tu vas couper les arbres. La forêt, c'est sûr que c'est calé. La forêt, c'est sûr que c'est calé. C'est très bizarre. Il y a des bois qui se repoussent. Il y a des bois qui repoussent, mais même si ça repousse, ça ne repousse pas aussi vite. Tu vas couper. Normalement, les fruits, c'est un. Donc en fait, l'histoire, c'est quoi? C'est pas comme les perrottes. Les perrottes, c'est tous les ans, tu as un arbre, tu donnes des perrottes. Là, tu annules jamais le keren. Le keren, il n'est pas touché. Là, c'est le keren qui est complètement détérioré, à ce qu'il écart que très rapidement, il peut venir à disparaître. Donc ça, on appelle ça un péri. On appelle ça Mérida, pas un péri, un keren. On appelle ça un keren. Et donc, faut le vendre pour acheter un terrain. C'est pas un keren qui va produire des fruits, c'est un keren que ce truc-là, il faut que. Comme s'il y a l'espèce. Alors que si c'est un péri, c'est mieux, parce que tu lui donnes les poissons. C'est une marloquette. C'est une marloquette de savoir est-ce que le palmier et le. L'idée, elle est vraie, quoi qu'il arrive. Mais le palmier et le vivier. C'est une marloquette, pas le palmier, la forêt et le vivier, c'est une marloquette, est-ce que c'est perrotte ou keren? L'idée de d'accord. Comment je considère ça? Voilà, maintenant, le klal qui est donné, regardez le klal qui est donné. Klala des milta, le klal qui est donné ici pour comprendre quand est-ce qu'on va considérer comme du keren, c'est que giz o marlif, si jamais le tronc se reproduit, ça veut dire que c'est un keren qui va donner des perrottes et que lui va pas être anéanti, il va se reproduire, là on appelle ça des perrottes. Péra. Tandis que N guidon marlif, si jamais le tronc ne se reproduit pas, alors là c'est du keren. C'est la même chose que Péra, c'est Péra d'Abbas. Exactement, c'est un petit peu un bachachal. C'est la chacha. Amarabizera, Amarabiocha, Amarabienai, Vamrela, Amarabiaba, Amarabiocha, Amarabienai. Regardez cette histoire. Alors là, on va rentrer dans la lame douce. C'est pour ça que la banane, on sait pas. Agonev, Vlad, Behemat, Milog. Agonev, Vlad, Behemat, Milog. Celui qui vole. L'animal. Donc un ganav, on sait que normalement un ganav doit payer le keren avec kefel, un ganav. Il doit payer keren avec kefel. Keren, ça veut dire qu'il a volé quelque chose qui vaut 100, il doit payer le keren, donc les 100, pour rendre l'objet volé, plus un knas que la Torah lui a donné, de payer encore un autre 100. Ça va dans une pléba. Fois 2. Après, Tavach ou Machar, ils payent pas 4-5. Ils ont pris sur ça la bonne israélienne. En tout cas, Vlad Behemat, regardez cette histoire. Il y a une Behemat Milog. Elle est là, elle a fait rentrer des Behemoth. Cette Behemat là, elle a eu un Vlad. À qui revient le Vlad? Au mari. Au mari. Le Vlad, c'est des perrottes. Les perrottes de cette Behemat là. Cette Behemat là, elle a eu des perrottes, elle a eu des Vladotes, elle a eu des enfants. Ces enfants là, ils reviennent au mari. Maintenant, si jamais quelqu'un il va voler le Vlad, logiquement, tu ferais dire quoi? T'as volé jusqu'à partir au mari. À qui il faut payer le Kefel?
Au mari. Au mari. Au mari. Au mérite Agmara, qu'est-ce qu'il nous dit ici? A Gonev, Vlad, Behemat, Milog, Meshalem, Tashume, Kefel, Laïcha. C'est pourquoi? Parce que le Vlad, il fait partie de son Keren. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? On dit l'Agmara, Keman, l'Okirabanan, l'Agmara dit c'est. Donc là, pour l'instant, c'est pas très clair. A priori, le Vlad, Behemat, Milog, c'est marié. Avant le mariage? Non. Attends, c'est une conséquence de la meuf, pourquoi c'est pas? Alors, c'est pas un des pérotes, le volo. Alors, le volo. On est en train de voir à qui le voleur va casquer. Le voleur, maintenant, il va. On a retrouvé le voleur. Le voleur, doit casquer. À qui le voleur, il doit casquer? Son mari, non. C'est vraiment un petit peu le Blue Label. Alors dans ce cas-là, ça veut dire que le Vlad, c'est pas des perrottes. C'est des Keren, ouais. Hein, c'est du Keren, alors. Alors le Vlad, c'est un Keren. Mais c'est quoi la Keren? C'est le Vlad. Le Vlad, maintenant qu'il est au Marisson, on parle même pas. Alors on comprend pas. Alors c'est vrai qu'on comprend pas. Mais le Vlad, il est à l'intérieur. Non, il est pas à l'intérieur. Il est dit en fait. Non, la Keren, c'est que le Vlad, c'est un Keren, en fait. C'est pas un Keren, le Vlad, il est au mari. Si le Vlad, il se fait pas voler, le mari, il se fait des grillades avec, il le mange, c'est pour lui. Il le mange pas. Le garde ou pas? Si tu dis que le poisson c'est du Zakouchia, alors on va expliquer. Pourquoi, ouais. pourquoi le dans le Kovet Siourim, le Rav Elchanan Wasserman, il explique. S'il divorce, elle garde ou c'est pour lui? C'est pour lui, Vlad. C'est pour lui. Il garde, il reprend, il prend les Vlad. C'est à lui son. C'est en bas. Déjà, on regarde tout de suite la Gemara. La Gemara, déjà, elle va nous apporter une marque entre Rabanan et Hanania. Elle va voir que le Chidouche de. Comment il s'appelle? Rabbi Enaï. A priori, il va dire comme l'autre. Regardez cette machloquette de Hanania et de Rabbanan. Regardez ce que dit Agma. A priori, cet enseignement, il est bizarre, dit Agma. Il va ni comme Rabbanan ni comme Hanania. C'est quoi la machloquette entre Rabbanan et Hanania? Et regardez, il y a une machloquette exactement le Vlad d'une Bema à qui il revient à l'esprit du Keren, ou est-ce que c'est à la femme? Regardez ce que nous dit la Braïta. Tania, Vlad Bema de Milog, à qui revient les enfants d'une Bema de Nirsé Milog? Tana Kama, il te dit, la balle. Vlad Shifrat Milog, à qui revient Vlad, la Vlad d'une Shifrat Milog. Ça veut dire que, imagine-toi, le beau-père, il a donné à sa fille une Shifra. Et cette Shifra, elle a eu des enfants. À qui reviennent les enfants? Nous dit la Tanakama, l'Aïcha. C'est pas les Pérotes. Non, c'est pas comme ça. Ah bah non. Là-bas. Bah non. La Bema, c'est au mari. La Shifra, c'est à l'Aïcha. Okay. On va expliquer pourquoi. Des Hanania ben Yoshaya, ben Achi Yoshaya, le neveu de Yoshaya, il dit. Asu Vlad Shifrat Milog, Kevlad Behemot Milog, et donc tout revient au mari. Lui, il te dit que tout revient au mari. Ce qui est plus logique. Ce qui est plus logique. Je vous dis la Gemara, a priori, notre histoire à nous, on voit que les deux avis, ils sont clairs que à qui revient le Vlad de la Behemot Milog, à qui elle revient? Au mari. Donc si elle revient au mari, on ne comprend pas pourquoi le Tachnoum et Kefel, qui est quelque part le fruit produit par le péri. Le péri du péri. Moi j'ai un souci, c'est que comment tu peux déterminer que le Vlad c'est un péri et c'est pas du carré? Ça peut pas être un péri. Pour moi, le prix c'est quoi? C'est le lait de la vache. Là oui, c'est le aussi un péri, bien sûr, c'est aussi un péri. Mais le Vlad en lui-même, c'est. Non, mais le Vlad, c'est le Vlad du Keren. C'est le Vlad du Keren, c'est comme tu me dis. Mais ça restera un Keren. Voilà, Mechila, si demain elle divorce, le Vlad il va aller au mari? Bien sûr. Ouais, c'est ça que j'ai. Bah, bataille. Je sais pas, je trouve que c'est pas logique. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est exactement c'est ce qu'on appelle un péril. Son capital, il est la BMA. Elle a amené 1000 bovins. Donc, elle va récupérer 1000 bovins en sortant. 1000 bovins, et si jamais il y en a qui meurent, ils meurent aussi. Même moins si. On a dit comme il s'est mis. Son Bardel, non, c'est son Bardel. Enfin, pas pour. Son Bardel, quoi qu'il arrive, il récupère ça. Nirsé Milog, non, si ça meurt, ça meurt. Mais bon, alors, arrêtez là. Elle va perdre. En 15 ans, il n'y a plus rien, bien sûr. Mais d'accord ou pas? Mais c'est logique. Alors, si jamais. La meuf elle amène 500 bœufs et 500 vaches, ok, voilà. 10 ans après, automatiquement, ces 500 et 500, ils vont mourir, on est d'accord? Ouais, donc, il y aura des nouveaux. Donc ils ont procréé, et le troupeau avec un troupeau avec 20 000 vaches et taureaux. Donc ces 20 000 vaches, c'est au mari, qui l'a créé grâce à lui, il devient blindé, et elle devient paumée. Elle devient paumée, lui, il est blindé. C'est pour ça que je dis que je pense c'est l'énergie Milog. Elle a que l'énergie Milog, pas le produit de l'énergie Milog. C'est ce qu'on appelle de ne pas avoir les pérotes. Mais c'est grâce à son capital qu'il a réussi. C'est comme si tu dis qu'une femme, elle avait un petit terrain qui donnait des pommes, et lui, avec ces pommes-là, il a investi, il est devenu milliardaire. La femme, elle est restée avec son petit terrain de pommes, elle gagne 5000 shekels par mois. Et lui, il est devenu milliardaire grâce à ses pommes. Oui, les pérotes, ça l'a rendu milliardaire et elle reste paumée. Ça veut dire qu'elle était venue avec 20 vaches. Ce mec, il se marie comme 30 ans après, elle a
Et au final, il y a des couilles, hein, maman, mais entre temps, il y a une couille. Bah, je dis que des garçons, les alors, alors, c'est le divorce, elle repart avec zéro. Ouais, on repart avec zéro. Le seul droit, le seul droit qu'il va y avoir, c'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est qu'elle a le droit de réclamer de qu'il, que le mari lui rende, à contrepartie d'un dédommagement financier, qu'elle récupère les bêtes. Elle peut récupérer les bêtes, ce qu'on appelle Shvar Betavia. Son Bardel, c'est autre chose. Son Bardel, c'est encore pire. Son Bardel, c'est que il est obligé de lui protéger le capital. Quoi qu'il arrive, c'est le capital. C'est le capital, il s'est déterrorisé. Par un chouïa de moins, par un chouïa de plus. Mais Mirsé Milog, c'est... Voilà, c'est les pérotes, c'est la raison. Les pérotes, ça revient. Oui, mais dans ce cas-là, pour moi, je suis sûr que les pérotes, c'est la laine, la peau, le lait, quoi. Les pérotes, c'est les tâches. Mais pas le. Vous êtes des filles, mais c'est pas des filles. La meuf, elle a son domestique. Il a raison, alors regardez. Ils en ont 300 après, les 300 domestiques, ils ont. Les domestiques, c'est la marloquette. C'est marloquette, dernière à banane. Tu peux pas déterminer qu'un truc qui vit, ok. Et qui se reproduit, qui meurt. On vient de dire tout à l'heure que les poissons. Ah, qu'est-ce qu'il a demandé ? Qui meurt. Qu'est-ce qu'il a demandé ? Que normalement, quelque chose qui se détériore, on doit acheter avec la du terrain et tu gardes pas ton capital. On va voir tout de suite. On va voir. C'est là que moi, elle parle de ça tout de suite. Et la règle, et l'idée que je vous dis tout de suite, ça va être quelque chose qui est quand même étonnant, je vous dis tout de suite, c'est qu'à partir du moment où il va rester, ne serait-ce qu'un centime, la gma, elle va dire que les bémotes vont mourir, il va te rester la peau. Okay. Ça s'appelle que le kérin, il se détériore pas 100%. Et donc, ça s'appelle que tout ce qui va être produit, c'est pérot. Regardez, on va voir tout ça, marloquette. Sur la BMA, il n'y a pas de marloquette. C'est pas ce que nous, on comprend. Sur les BMA, il n'y a pas de marloquette. Alors, regardez pour l'instant ce qu'on va dire. Pour l'instant, nous, on a vu deux choses. Qui reste chez Vadim. Je récapitule la problématique. On a vu, premièrement, Rabbi Enaï. Rabbi Enaï, il a dit les BMOT, quelqu'un qui les vole, ça revient à la femme. Donc, un petit peu comme ce que vous avez envie de dire, que les Vladot, c'est pas des pérot. Et d'un autre côté, on voit des Tanaïm. Donc ils sont déjà une des générations avant, un BNI, qui tous, tout le monde est d'accord que pour la BMA, ça revient au mari. Quoi qu'il reste la peau. On va voir toute l'histoire de la peau. En tout cas, quoi qu'il arrive, ça revient au mari. Donc, est-ce qu'en cours de route, la femme elle a le droit de vendre son terrain? Non. Jamais. Elle peut pas. Ça c'est le mari, mais son droit de tout. C'est ce qu'on a vu là. Ça dépend si c'est après mariage ou non mariage. Non, on peut pas dire que si elle se vend. Non, mais attends. On peut pas passer dans juste ce soit. Donc ces vaches là, est-ce qu'une fois qu'elle est mariée, elle peut les vendre et acheter un caca? Alors ça c'est ça oui. Ça oui, si elle veut avoir quelque chose qui reste plus stable et qui va avoir plus d'assurance, ça après les chora, oui. Alors, c'est ce qu'on avait vu. Entre Ara et Diclé, on va donner plus priorité à celui qui veut Ara. Donc après, l'investissement le plus stable. Le client reste le plus, effectivement, elle pourra dire que voilà, moi je t'ai rentré dans Mirsé Milog, je veux que Mirsé Milog, il reste plus. A priori, ouais, voilà. Elle a tout intérêt à ne jamais, à tout de suite vendre ses vaches et acheter une terrain. Effectivement. Elle n'a pas fait. C'est vrai. Mais regarde ce que nous dit Agmar, regarde ce que nous dit maintenant, comment on comprend cette histoire-là. Ouais, mais là, enfin, je reviens à la bête parce que là, on dit Michel, tu soumets Kefel, l'Aïcha. Mais le gars, il doit payer et le carré et le café. Et le carré, bien entendu, le mari. Ah, ok, donc là, on parle de perrot, des perrots alors. Ouais, donc a priori, c'est exactement ce qu'on va voir tout de suite. Alors maintenant nous dit Agmara, Afilutema divrei akol. Regardez ce que nous dit Agmara, et là c'est un très très grand chidouche. Donc la problématique a été la suivante, c'est que Rabbi Enaï lui il a l'air de dire que c'est des trucs qui reviennent à la femme. Le tachimé qui revient à la femme, donc a priori ça veut dire que les perrotes ils appartiennent à la femme. Des perrotes, les behemotes, les vladotes des Nirsé Milog. Alors que dans Hanania et dans Rabbanan, on voit que c'est au mari. Question, contradiction, comment il peut comprendre une braïta? Nous dit l'Agmara, je peux très bien te dire que Rabbi Yana, il parle aussi bien d'après Hanania que d'après Rabbanan. Et que quand est-ce qu'on a été métaken que les perrotes reviennent au mari? C'est seulement les perrotes. A filou tema, Hanania, A filou tema d'ivra, je peux très bien dire comme tout le monde. Perrotes technu les Rabbanan. Péra des péra le technou les rabanan. Les pérotes des pérotes ne reviennent pas au mari. Ah, donc si le beau il a redonné une autre vache, elle revient à la femme. Alors, ça n'a aucune logique que les pérotes des pérotes ne soient pas. Bah oui, parce que ça devient du cas du mari. Parce qu'on a vu il y a plusieurs jours que justement, il peut rien investir. C'est le kérène du mari. Si c'est à lui, c'est à lui. Ça ne peut rien à elle. Troisième degré, ça revient au mari. Tosfo, tout de suite, il précise. Que quand on parle de Péra des Péra. C'est le Kefel. C'est le Kefel. Quand on parle de Péra des Péra, on parle ici d'un pérote qui vient. C'est des pérotes de même type que le Kefel. Bon. Ça veut dire qu'en fait, tu as une vache, tu as donné une autre vache, cette deuxième vache, la Vadaï, qui revient au mari. Ouais, c'est vrai. Maintenant, là, ce qu'on est en train de parler, c'est que le péri
donc de souvenirs similaires, il va avoir, il va donner un autre, une autre source de revenus qui va être de type le Tachoumé Kefel. Non, le lait, c'est Tachoumé Kefel, t'as dit, d'avoir des ATM Alma, quelque chose qui sort de nulle part. Excuse-moi. Quelque chose qui sort de nulle part. Des taxes là de Kefel. Des taxes de Kefel. Un truc, quelque chose qui sort de nulle part. Ce type de de pérotes là reviennent au mari. Elles reviennent à la femme. Ce qui veut dire que, et c'est comme ça qu'il explique le Rabbi Chanan Wasserman dans le Kovetz Shiuri, mais dans le Rabbi, ça veut dire que c'est un petit peu ceux qui ont déjà étudié à Mafkid, ils connaissent cette notion là. C'est qu'il peut avoir en fait le mari, cette bémala. Il y a quelque chose à dire. Bidouk, c'est la Mishnah. Il dort pas, et là-bas, il y a marqué que le Kefel, c'est possible d'avoir une BMA, que tu as sur la BMA 100% sauf le Kefel. Ça veut dire que tu peux avoir un Kinyan d'une BMA que pour le Kefel. Ah. La femme, elle a sur cette BMA-là, comme propriété zéro, à part le droit de recevoir le Kefel en cas. L'agma dit, c'est quoi cette logique? L'agma va essayer de comprendre, c'est quoi la logique de faire une différence entre les avadim, les shafrot quoi, et les behemot. L'agma dit, je comprends bien Hanania qui fait une biche la malé Hanania à une délochachina nemita. Je comprends bien, lui te dit, on ne soupçonne pas que il y a un risque de mort. Donc c'est pour ça que lui te dit que quoi qu'il arrive, aussi bien les shafrot que les behemot, on va pas considérer que peut-être que le kiren il va se détériorer, il va mourir d'aussitôt. Donc on dit que la femme elle a son kiren qui est solide. D'accord? Le kiren il est solide, il tient le coup. Même si en fait finalement ça peut mourir à n'importe quel moment, truc, on n'est pas recherche. Un petit peu comme on avait déjà vu dans Yoma, que est-ce qu'on est recherche les mita ou pas recherche les mita. Lui te dit on est. En tout cas, lui te dit on n'est pas recherche. On n'est pas recherche les mita. Je comprends bien la logique de Hanania, de ne pas faire de différence. Ça veut dire que il y a des behemoth, il y a des shfachot. On va pas dire que c'est un kiren qui va potentiellement se détériorer. Et donc, c'est pour ça que lui te dit que tout revient au mari. Tandis que Rabbanan, si ils sont chochim la mita, pourquoi ils font une différence entre les bémotes et les vladot et les shfarot? De la même manière que dans les shfarot, tu me dis que ça revient à la femme. Tu devrais dire aussi que pour les bémotes, ça revient à la femme. Diagma, lotiknou, bishlama, hein? La durée de vie. Alors, la durée de vie entre les bémotes et les. Merci. Avec moi, c'est vrai qu'on aurait pu dire ça, par exemple. Dilagmara, regarde ce que Dilagmara. Bishlama le Hanania, nous de l'Ochachina l'Emita. Et là, les Rabbanan, Ichaché l'Emita, si on est Rochach à la mort, Afil ou Vlad Behemad Milog Nami, même dans les Vlad Behemad Milog, on devrait dire que ça revient à la femme. Et avec son achat des terrains, Namilo, Veilochaché l'Emita, si ils ne sont pas Rochachim à la mort, alors même les Behemoth, même les Vladot des Shvachot, Afil ou Vlad Chifra Milog Nami, Léola, ça devrait revenir à la femme. Et Rochachim, ça devrait revenir au mari, excusez-moi. Diagmara, les Rolam, Khaïchelemita, Veshane, Bema, Deika, Ora. Voilà ce que tu dis la différence. La différence, elle est que dans les Behemoth, il y a la peau. Ça veut dire que la Behemoth, même si c'est vrai que les Shfarot, ça peut se détériorer, ça peut arriver à un moment où il va plus rien rester parce que les Shfarot, elles peuvent mourir. Dans ce cas-là, hein. Le Hedge doit signer. Signer, ça s'appelle signer. Si t'es écrit dans toi, c'est que lui il écrit. Il faut qu'il signe. Ah, signe. Écrire le nom, ça s'appelle signer. Mais si c'est écrit par le. Attends, qu'il utilise d'abord devant lui, après. Attention, on est en plein champ de mouvement, si c'est intéressant. On nous dit la Gemara que. Donc. Encore une fois, on est en train d'expliquer quelle est la différence entre les Shfarot et les Behemoth. Et la Gemara t'explique, elle te dit que Vadaï qu'il est Rochesh les Mita. On est Rochesh que le Keren va se détériorer. Mais le problème, il est que pour la Behemoth, je vous l'ai dit tout à l'heure, le Keren ne se détériore jamais.
Pourquoi? Parce que toujours il restera les peaux. Même si la bémol va mourir, il te reste la peau. Donc c'est pas un kyrène qui est détériorable et donc finalement c'est pour ça qu'on considère que c'est des pérotes. À l'inverse de la BM, de la chifra, la chifra si elle meurt, tu vas pas récupérer sa peau. Non mais. Toi, si c'est pourquoi tu récupères pas? Attends, mais c'est assimilé à des fruits. Tu vois, tu vas faire une, tu vas en profiter de cette peau. Mais du coup, la peau de quoi? On va dire. Maintenant, pour les BMO, si jamais il y a quelqu'un qui, le type d'un chifra, la chifra elle meurt, il va pas lui enlever la peau et récupérer la peau. Bon voilà. Tu prends la peau, tu la tables, elle reste à l'île. Maintenant, la Bémet, Alpidine, est-ce que la peau, il y a un problème, il y a de Isurana. Il y a Choliot, il n'y a pas de Isurana sur la peau. Même si on dit qu'un cadavre, on n'a pas le droit d'en profiter. Mais sur la peau d'un cadavre, il n'y a pas de Isurana. Quand tu s'étonnes, comment ça fait qu'on ne récupère pas la peau, Bémet, des chevrottes. Il y a marqué que. Heureusement que les nazis, ils n'ont pas fait ça. En tout cas, bon, on y va. Regarde ce que tu dis, Agmar. Shane Bema de Kaora. Amar Avuna, Barria, Marshmuel, Lalachai comme Chanania. Ça veut dire que. Mais Chanania, sur quoi il se base pour dire. Parce que lui, il n'est pas recherché les mitas. Il te dit que, voilà, il y a un Kiren qui est stable et qui dure. Voilà, t'as des bêtes. T'as des chevrottes. Ça veut dire que t'as des chevrottes. Elles sont vivantes, elles sont là, elles vont travailler. Il y a du potentiel, le Kiren, il est immuable. Il y a un Kiren, tu fais bien la distinction entre quelque chose qui est le capital et le produit de ce capital. Ça veut dire que c'est tu peux pas considérer que les chevrottes, c'est quelque chose qui est comme des perrottes. La chifra, c'est du kéren, c'est quelque chose qui reste. C'est exactement la même chose, ça meurt. Parce qu'on n'est pas proche de ses mitas. Ça meurt comme ça. Il n'est pas proche de la mort. Non, c'est pour ça que les bémotes aussi nous disent on n'est pas proche de la mort. Et tandis que Rabbanan, eux, ils te disent, c'est quoi? On est proche de ses mitas. Donc c'est pour ça que je considère que une chifra, c'est quelque chose qui potentiellement est amené à disparaître. Ah, pourquoi dans la BMI, je ne considère pas que. C'est parce que dans la BMI, il va toujours rester la peau. Et la peau, ça ne va jamais disparaître. Donc l'idée, elle est de dire qu'à partir du moment où il va rester quelque chose de ce capital, ça s'appelle que le capital. Ça s'appelle que cet objet-là, c'est un capital. Et ce n'est pas des perrottes. Donc, j'ai dit la lacha comme qui? La lacha comme Chanania. Amarava, Amarav Nachman, Afalpisha, Marshmallow, la lacha qui Chanania. Modé Chanania. Chez Emil Garcha. Avant, on va voir une nouvelle notion qui est très importante. Chez Imnit Garcha, c'est un petit peu l'explication des Rembrandt et des compagnies. Chez Imnit Garcha, notenet damim venot taltan. Mi pene shvach betavia. On a déjà vu ça dans Matrati Bamot. Il y a une notion comme ça qui est que la femme, ce qu'elle fait rentrer de chez son mari, kaviachol, cette chose-là, c'est un petit peu l'appellation de la famille. Donc la femme, elle peut prétendre récupérer les enfants. Par exemple, elle a des shvachot, cette famille de Abadim, c'est une famille qui. Qui appartenait à Alfred et voilà, donc il y avait toutes ces Avadim, toutes ces Avadim, ils appartenaient à cette famille-là. Donc maintenant, ce Avad-là, il a eu des enfants. Cette chifra-là, elle a eu des enfants. Donc ces chifra-là, on dit que ça appartient au mari, c'est vrai, d'après Chanania, la lacha avec ça appartient au mari, mais la femme, elle peut prétendre le récupérer parce qu'elle a un droit de le récupérer, mais quand elle est récupérée, bien entendu, elle a payé pour ça. Mais elle peut récupérer l'objet. Elle a payé le prix que ça vaut. Le prix que ça vaut dans le jeu. Pourquoi? Mais Shvach Betavia. Ça s'appelle Shvach Betavia. Quelque chose qui est l'appellation d'un ami de Rachidi, ce qui est les Shem Ultif Eret. Quelque chose qui est la marque de fabrique de la famille, un petit peu la gava de la famille. C'est quelque chose qui est appelé à la chaîne de la famille. Le saut de la famille, exactement. Et ben ça, elle peut le récupérer. Donc, bien entendu, elle va payer pour ça. Notenet Damim, Venotaltam, Pene, ce qu'on appelle Shvach Betavia. Amarava, Amarav Nachman, Ichni Salo, Aezekhelba. Donc, c'est ce que tu avais demandé tout à l'heure. Si jamais elle lui a rentré une chèvre, et la chèvre elle fait du lait. Ou alors Verachel les Gizata. Ouais, elle a fait des chèvres, des trucs pour la tonte. Bouton pour la tonte. Vétarnégolette les Betsata. Vétarnégolette pour les Betsim. Vedekel les Perotav. Alors qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui sort c'est. C'est du Keren, c'est pas du Diagmara. Ochel Voler lui va manger les perrottes, le lait, la laine, Hachetirli à Keren, jusqu'à la mort des tarnégolotes, jusqu'à la mort des trucs. Et donc finalement on appelle ça du Keren qui donne des perrottes. Donc finalement les perrottes sont vraiment mariés. Amar Nerman, Aïla Leglima, si jamais elle lui a fait rentrer un vêtement, on appelle ça des perrottes. Il faut les vendre et acheter avec un terrain. C'est des perrottes. Ave Mechasebe ve Azil Adekalia. Alors nous dit la Gemara, si jamais elle. C'est-à-dire que les vêtements ils sont mis de calquel, hein. Ces vêtements ils sont mis de calquel. Comment on peut dire que des métatanines ça peut être un calquel, exactement. Donc s'ils sont Mechila, je un petit peu. Il faut changer. Je reste différemment. Rav Nachman lui te dit que. Je rectifie Mechila. Rav Nachman lui te dit que Aïla les Glima,
si elle lui a rentré un vêtement, le fait de porter le vêtement, c'est ça les pérotes. Merkila, je crois que c'est vite. Ça veut dire qu'en fait, le vêtement, c'est le keren. Et le fait de s'habiller avec le vêtement, c'est ça. C'est le mari. Le mari qui va se vêtir avec. Alors, Jean-Mir, il est la femme qui s'est quoi au final. Elle va garder les shrak, les blaout, ce qu'on appelle les blaout, les shrakim, à la fin, la fripe. Les chutes, voilà, la fripe du vêtement, c'est ça qu'elle va garder. Donc, quand, toujours de revenir à cette idée-là, il faut qu'il y ait un keren qui reste. D'accord. C'est Agba qui a écrit la chanson de Rouille au bout des femmes. Aïla l'eglima pera ave mechaseba ve azil ad de kalia. Donc elle se recouvrait, il va s'habiller jusqu'au moment où ça va s'anéantir. Keman qui a itana, c'est comme le tana suivant. Alors regardez ce que nous dit le tana suivant. De tania yain braïta amelach ve achol. Imagine-toi la femme, elle a hérité comme bien du ser. Alors quoi, non, pas amelach, c'est quoi le melach? C'est elle a hérité une partie de terrain dans lequel. En bord de plage, une petite parcelle de terrain dans lequel il y a le sel là-bas qui se forme. C'est ça vaut de l'oseille aujourd'hui. Comment on appelle ça? Une saline. Ok. Ça vaut de l'oseille. À Guérande, la type, la femme, elle a un petit terrain à Guérande là-bas. Et là, les petits. Il y a un de l'oseille. Aujourd'hui, ça fait de l'oseille, ça. À l'époque, je sais pas. Donc, nous dit l'Agma, est-ce qu'on va dire que le carca. Tu vois, là, c'est quoi le péri? C'est devant le sel. Mais c'est aussi le carca, le sel. Donc, c'est. Le diagma, quand même, il y a quand même ici une notion de péri et de carca. On va considérer que. Amar Nerman, Aïlalé. Non, excusez-moi. Tania Melar Véachol, arrivé Perot. On considérera que le terrain même, ça va être le Keren. Et le sel qui va se former dans ce terrain-là, ou le sable qui va se former dans ce endroit-là, c'est des pérotes, arrêt des pérotes. Maintenant, pire chez le gaufrite, par contre, pire chez le gaufrite, marque pour être le strif, c'est pas quelque chose qui va se produire. C'est que tu souffres des mines. C'est des mines de soufre. Ou c'est pas quelque chose qui va se reproduire, tu dois creuser, ou tu prends la terre carrément, et la terre elle va pas se reproduire, tu la creuses. Là, il nous dit que ça, on appelle ça. Mais pourquoi le sel, ça se reproduit? Le sel, ça se reproduit. L'eau, elle repasse. Ça, c'est considéré comme du keren. Et donc, du keren, ça veut dire que ça, il faut vendre cet argent-là, tu achètes bien. Donc, la meuf, elle a un truc de pétrole. Elle creuse du pétrole. Le pétrole, il est à elle. Pétrole, exactement. L'or, il est à elle. Le pétrole, il est à elle. Ça nécessite du travail. Après ça, le pétrole, il croit, à part que tu appelles ça. Pourquoi tu appelles ça keren? Il va mourir. Ça meurt pas? Alors, Marloquet, c'est Marloquet, j'ai dit petit Keren, ça vient de Rabimir. Rabimir, Omer, Keren, Rabimir, Omer, Perot. Marloquet, Rabimir, Rabimir. Dans le gaufrite et dans le. Et dans le Marcochel Trif. Trif, c'est un truc que tu faisais des petits. La meuf, elle va faire un truc. Parce que un, il se fait de façon naturelle, les Perot. Non, parce que un, tu prends le terrain, c'est le terrain que tu vas prendre et que tu es en train d'anéantir là. Tandis que l'autre, c'est. Il y a le terrain, qui est un petit peu l'endroit dans lequel va se former. Ce sel. Quand tu vas enlever le sel, le terrain est encore là. D'accord, mais pourquoi on ne dit pas dans ces cas-là qu'un, il nécessite. Il se fait de façon naturelle, le sel, ça. Ça se fait de façon naturelle, sans aucun effort, alors que de l'autre côté, ça se fait avec l'effort. Ça avec l'effort, le tir. D'une raie, d'une grotte, d'une. D'accord, on s'en fout. L'extraction, on s'en fout. Tu vas aller chercher le sel, tu dois aller. Alors, à ce stade-là, on ne peut pas appeler ça pérotte. Si. Non, la preuve c'est que la paramémelle elle a fait une pérotte. C'est peut-être ton mari de payer l'extraction, mais ça s'appelle pérotte. Alors maintenant regardez. Peu importe, ça nécessite peut-être même un investissement, alors que l'autre côté. Et alors, tu vas pas les couper les fruits? Les fruits qui sont dans le pommier, tu vas pas les couper, tu vas pas emmener des gens qui vont les mettre dans les paniers? La même chose. Alors. Ce qu'il nous dit, ce que Rashi nous dit, c'est que même pour les Chachamim qui sont en désaccord, ils considèrent que c'est des pérotes, et donc qu'on devra revendre et acheter avec ça des terrains, il va considérer aussi pour le vêtement. Comme ça, il dit Rashi, que Ouadine pour la glima aussi, il considérera la même chose. Mais non, non, si c'est des pérotes, il faut les vendre et faire des terrains. Exactement, donc il considérera que même le. Alors, c'est quoi la différence avec celui qui pense que c'est du keren? Encore une fois. Il y a ici. Un minerai, je sais pas comment t'appeler ça. J'ai compris. D'accord? Ce truc-là, il y a une marque locale, Khorabim et Khachamim. Est-ce que c'est des pérotes? C'est du Keren. Khachamim te dit que c'est des pérotes. C'est-à-dire quoi? C'est des pérotes? C'est-à-dire que ce terrain-là, tu vas pas me dire que le produit de ce terrain-là revient au mari. Le produit de ce terrain-là, c'est le terrain. Et ça, il faut le vendre. C'est comme l'espèce. C'est comme l'espèce, il faut le vendre, acheter avec des terrains. Acheter ça avec des autres terrains. C'est à la femme, ça. C'est le Keren de la femme. Tu peux pas me dire que le produit de ce minerai-là, c'est un péri. Le produit de ce minerai-là, c'est un keren. Et il faudra acheter avec ça des terrains. Très bien, des terrains. Et celui qui dit que c'est keren, il considère que l'endroit, finalement, le truc, il n'est pas dans le navire. Il y a quand même un terrain qui est propice à ce minerai. Ben, tout ce que tu creuses, c'est le péri de ce terrain-là qui est en dessous de ce minerai-là.
J'ai failli comme il te dit. Parce que lui considère que c'est Enoka les trucs qui ne terminent jamais. Non, là, la Khaïchi, il n'y a pas de lettre contre la Kha. Rabbi Shimon Omer, Makom Shiavek, vous vous rappelez dans la Mishnah, on avait vu que Rabbi Shimon, il avait dit, comme Khachamim, il avait dit juste que ce qui est bon pour le mari à l'entrée du mariage, c'est mauvais pour lui à la sortie. Ce qui est inversement. Alors, nous disons que Rabbi Shimon était la Kama, à Marava, Mechoubarin Beshat Yetsia et Kabinayu. La différence, elle est ce qui est Mechoubar au moment du divorce. On a dit que, on avait dit que d'après Rabbi Shimon, ce qui est Mechoubar au moment du divorce, puisque à l'entrée du mariage, tu considères ça comme des périodes pour le mari, bah, tu vas considérer ça comme des périodes pour la femme, et donc elle devra le rendre à la femme. Ce qui pense Rabbi Shimon. Mais Rabbi n'ont pas d'accord avec ça. Nouvelle Mishnah, regardez ce que nous dit la Mishnah. Nafula Avadi Mouchfachot Utskenim, Zekenim. Ah voilà. Là, on va arriver un petit peu dans la problématique. Vous avez un petit peu soulevé Bérémès tout à l'heure, cette problématique-là. Imaginons, elle a reçu comme héritage des majordomes qui ont 80 piges. Donc, ouais. C'est-à-dire qu'ils sont sur le. Sur la fin. Pré-retraite. La fin. Pré-retraite. Ils sont sur la fin. Donc, le mari dit. Hein? Alors, donc, là, qu'est-ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il est marrou, on peut les vendre. Et le mari peut dire, voilà, on les vend, moi, c'est pas intéressant pour moi, ça. C'est peut-être pas qu'ils sont sur la fin, c'est qu'ils peuvent pas se reproduire. Donc, ils peuvent peut-être se reproduire, on va pas se reproduire, mais. Veille la carbone carca, et on achètera avec ça des terrains. Parce qu'il pourra pas. Où aurait le perrotte, et lui mangera les perrottes du nouveau terrain. C'est juste que je comprenne. Si tu me dis que c'est du Keren, que ça change rien, moi je suis pas obligé de le vendre. Ouais, je pensais pas que c'était. Il y a une ambiguïté dans les termes là, il faut pas confondre. Tout ce qu'on a quand on dit que c'est des perrottes, ça veut dire, par exemple, dans le cas de. Je reprends juste une avant le début de la Mishnah. On avait dit que le minerai là, c'était des perrottes d'après Khachamim. Quand on dit des perrottes, ça veut dire que c'est le kéren. Oui. Et donc, c'est comme s'il y a de l'espèce qui rentre. Donc il faut avant de répondre à cette étape. Moi je parle des chevachotes là. Non, les chevachotes, Les chevachotes qui sont vieilles, ou les avadim qui sont vieux, et que leurs bénéfices ils vont être très faibles, et la femme elle se dit que moi d'ici un an je sais que je vais perdre tout mon kéren. Donc la femme elle dit moi je suis intéressée à ce qu'on va revendre ces vieux trucs. Et enfin, c'est la femme qui dit que la femme est intéressée, mais c'est aussi le mari qui peut pas quelqu'un intéressé parce que le mari il veut quelque chose qui fait du travail physique. Les deux sont intéressants. Voilà, les deux. Il peut avoir un intérêt du mari ou un intérêt de la femme. La femme elle peut dire non, moi ce monsieur là, c'est le majordome que j'ai depuis que je suis tout petit, moi je veux le garder. D'accord. Alors là, dans ce cas là, Rabbi Tanakama, il te dit que on vend. On peut vendre. Les enfants du Eved, ils sont jamais. La Mishnah, elle vient nous expliquer est-ce que cette chose-là, à partir du moment où c'est quelque chose qui va s'anéantir, on peut obliger à le vendre. Qui c'est qui va le demander? Voilà. Alors, Khadak, c'est une marque au Kedrishonim, ça. Normalement, c'est une marque au Kedrishonim, est-ce que tout le monde peut donner son avis, ou alors que le mari peut donner son avis? Ou alors que la femme peut donner son avis? Là, c'est un intérêt pour tout le monde. Maintenant, dans ce cas-là, là on va voir dans la Mishnah que c'est la femme qui veut. D'après Tanakama, on n'écoute pas la femme. La femme, elle se dit moi, je veux ce Eved là, c'est mon Eved, depuis tout petit, je veux pas qu'on le vende. Non, crève, on va le vendre. On va le vendre. La fille dit non, on va le vendre, il fait rien, on le garde, on le paye pour ouvrir la porte. Pour ouvrir la porte, on lui donne un salaire entier. Moi, je veux un Eved qui vient, qui travaille, qui truc. Je veux un truc qui fait plus de bénéfices. Le mari, il peut dire ça. Donc, Tanakama, il dit il marrou. Tandis que la femme, tandis que Rabbi Shimon, il te dit, Razo Gomer, l'otimko. Il te dit, non, on va pas l'écouter. On peut pas. Pourquoi? Pour une raison, pour une autre raison que ce qu'on a vu chez maintenant. Ce qu'on appelle Shvar Betavia, ce qu'on avait dit juste avant. Shvar Betavia, ça veut dire que la femme, elle peut dire que ça, c'est quelque chose qui est, c'est bien de la famille, c'est le patrimoine familial. Shvar Betavia. Maintenant, Nafula Zeti Mukfanim, Skenim. Si jamais elle a reçu comme héritage des vieux oliviers, ou des vieilles vignes. Qui produisent plus très bien. Il m'a trouvé comme un carcabou ou un perrot. Rabbi Houda, il dit la même chose que ce qu'il a dit Rajbag avant. Rabbi Houda Omer, et l'autre team comme Péchen Jean Betavia. Regardez ce que je dis à Gma sur ça. Amarav Kana, Amarav, Marloket, Naflou, Bessade, Shela. Ce qu'on est en train de parler des Gephanim. Quand on est en train de parler des Gephanim, on est en train de dire que pour les Gephanim, Marloket entre Tanakama et Rabbi Houda, est-ce qu'on peut obliger la vente de ces Gephanim là ou de ces Etima qui sont vieux? C'est seulement quand c'est tombé dans Marloket, Bishnaflou, Bessade, Shela. Quand le terrain il est. Alors là, captez bien l'histoire, ce qu'on va tout de suite changer, mais en tout cas, captez bien ce qu'on est en train de dire ici. Que Naflou, Bessade, Shela, quand c'est son champ à elle, alors là, dans ce cas-là, on est en train de dire que les Etim ou Koufanim qui sont dans son champ à elle, là, vu que ça va mourir, il va au moins lui rester le terrain, comme Keren. Donc tu peux dire que ces choses-là, c'est des perrottes, et le mari il peut dire voilà, je veux qu'on le vende.
Quand est-ce qu'on va considérer que c'est des perrottes? Encore une fois, vous avez bien compris que... Mais chaque question s'en fout, qu'ils sont vieux, pas vieux, pas. C'est des perrottes, point barre. Les perrottes sont barres. Ils sont attachés à Mekoubarakaka, on parle d'un arbre, on parle d'un arbre. Mais là, le problème, il est que cette chose-là, elle va s'anéantir. Tout ce qui est la carca, normalement la carca, l'intérêt, il est, enfin la mala, l'avantage du carca, c'est que le kérène, il reste tout le temps. Maintenant, elle, si elle a reçu un olivier, et que cet olivier-là, on voit qu'il est, dans 2-3 ans, il n'y a plus rien. D'accord? Il est trop vieux, ça fait 100 ans qu'on l'a épuisé, cet olivier. Donc, nous dit la Gemara que, enfin, ce qu'on est en train de voir ici, c'est qu'un truc pareil, si elle a le terrain, voilà, dans ce cas-là, on est en train de dire que, finalement, elle ne perd pas son kérène, puisque le terrain, elle le gardera. Et c'est dans ce sens-là où on est en train de dire que, Cet olivier là, quelque part, il est comme des perrottes et on peut le vendre. Le kérène, au moins, elle va le garder. D'accord? Tandis que, dans un cas où Amrav Kana Amarav, Marloken, Shena, Flou, Bezadeh, Shela, Aval, Bezadeh, Shena, Shela, c'est un champ qui n'est pas à elle, et elle l'a reçu, que l'olivier. Imaginons le terrain, il appartient à un frère, et l'olivier, il appartient à un. Non, pas dans l'héritage. À une sœur, l'olivier, il appartient à cette femme-là. Mais le terrain, il ne lui appartient pas, il appartient à d'autres personnes. D'accord? Donc, dans ce cas-là, ça veut dire que si l'olivier va mourir, elle va tout perdre. Donc là, quoi qu'il arrive, on va. C'est comme les trucs qui sont vieux. Divré à col, team corps. Mishum des kalakana. Parce que Rajba, comme là-haut. Comme qu'il avait dit, comme qu'on avait dit plus haut, que quelque chose qui va en 10 ans. C'est Rajba qui dit ça, là-haut, non? Donc, encore une fois, quand il y a un kéren qui va être stable. Donc là, cette chose-là, on va le considérer comme du perrotte, et donc le mari est là, et donc tu peux pas obliger à vendre. Tandis que quand c'est quelque chose qui va complètement s'anéantir, là en l'occurrence, il n'a pas le terrain, là que l'olivier va s'anéantir, donc là, le mari, il peut obliger à vendre. Alors je dis tout le temps, toujours le mari peut obliger à vendre, la femme peut obliger à vendre, parce que c'est un petit peu ambigu ici, qui c'est qui oblige qui. C'est le mari qui est dans la Rishonim, ça qui oblige qui. Le mari peut obliger, et la femme, est-ce qu'elle peut obliger aussi à Choliot? Oui, mais ça veut dire en fonction de l'intérêt. Des fois, on voit, voilà. Là, si la femme elle a plus l'olivier, c'est dans son intérêt de vendre. Et donc, c'est dans son intérêt de garder. Quelque part, dans son intérêt, mais elle, elle veut garder le patrimoine, elle veut garder le truc de Betavia. Donc, en tout cas, Matkif, la Ravette, il n'aime pas ça, il te dit tout de suite Aréa, Vadi, Mouchfachot, Nekisade, Shena, Shela, Damé. Là, Vadi, Mouchfachot, ils vont mourir. C'est comme si il ne va plus rien lui rester. Et sur ça, il y a quand même la Marloquette. On l'a vu au début qu'il y avait une Marloquette entre Rajbag et Tanakama. Et là, Itmar. Hein? Avec les Behemoth, c'est pareil, ils peuvent faire la même chose, ils vont mourir, avant de mourir, je vais les vendre. Ok, ouais, exactement, la même chose pour les Behemoth. Diagmara, alors, finalement, ce qu'il faut un petit peu rectifier, il faut dire l'inverse de ce qu'on vient de dire, c'est que Rav Kana Amar, Rav Marloket, Bessade, Shela, Shela, quand est-ce qu'il y a une discussion entre Rabbi Yehuda et Tanakama contre le Sade ne lui appartient pas, ou là, il ne restera plus rien. Aval Bessade, Shela, par contre, si le terrain il lui appartient, Divrei Hakol, Lo, Timkor, Mi Pene, Shvar Betavia. Elle ne pourra pas vendre à cause du problème de Shvar Betavia, elle peut prétendre devoir garder. Qu'il lui reste quelque chose et qu'il reste un souvenir de la famille. Quelque chose de la famille. Khadak Boros, on comprendra bien d'ailleurs. Il faut regarder ça. Voilà, il est où le stylo? Et fais attention de rien faire jusqu'à Moi, j'ai chez moi des.